Bonjour, bonjour. Alors ce matin, j'ai été au yoga et franchement, ça fait vraiment du bien. J'ai pas la grande forme, je suis hyper fatiguée encore aujourd'hui. J'ai très très mal dormi, mais voilà. J'ai pas filmé le cours parce que bon, j'avais pas envie de déranger les autres participants, donc voilà. J'ai pas filmé le yoga, mais j'y ai été et ça fait vraiment du bien. Par contre, en ce moment, le yoga, je sais pas si c'est la saison qui fait ça, le fait qu'on ait pas beaucoup de soleil aussi, mais quand je rentre du yoga, mais j'ai juste envie d'aller me recoucher. Voilà, ça ne m'énergise pas vraiment. Voilà, donc là, je vais me faire un deuxième petit thé parce qu'il fait quand même bien froid dehors. Vivement que je reçoive mes fournitures pour manteau. Et voilà, je vais peut-être manger tout de suite, je sais pas. Donc je mangerai tout à l'heure. Bon alors je pense que pour aujourd'hui, la couture, ça va pas être possible. Je suis vraiment pas assez en forme pour faire de la couture. Par contre, je vais préparer les prochaines coutures. J'ai un truc beaucoup plus amusant à faire. Je viens de recevoir le colis de Mondial Tissu, justement. Donc on va l'ouvrir. Alors voilà, j'ai reçu mon tissu. Alors ça, c'est le tissu que j'avais prévu pour faire l'extérieur. Ce que j'ai pris, c'est le caban. Et je le trouve vraiment très très fin. J'avais déjà pris du caban il y a quelques années, mais c'était un tissu qui était vraiment beaucoup plus épais que ça. Là, je le trouve vraiment très très fin. J'espère que ça ira quand même. Étant donné que j'ai pris une bonne doublure, ça devrait aller, j'espère. Je croise les doigts vraiment, mais vraiment il est hyper fin ce tissu là. C'est lourd, hein, c'est très très lourd, il y a de la laine, il contient de la laine, mais par contre c'est vraiment vraiment fin. Je sais pas, il doit faire, je sais même pas si ça fait 1 mm d'épaisseur, tellement c'est fin. Donc j'espère que ça ira quand même, que j'aurai quand même assez chaud, vraiment je croise les doigts. Donc les fermetures éclair, il y avait une papillote dedans. Ensuite, j'ai pris ça pour faire les manches. Donc, c'est du molleton pour la doublure intérieure des manches. Et ben, je suis bien contente d'avoir pris ça. C'est doublé en fait. Il y a du polyester des deux côtés, comme ça, les manches. Je vais pouvoir bien les enfiler facilement et c'est molletonné. J'espère que c'est quand même un petit peu chaud. Comme ça, j'aurai pas trop froid. Donc, ça, voilà. Je te mettrai les liens dans la description sous la vidéo. C'est pas du tout une vidéo sponsorisée, hein. J'ai acheté tout mon tissu. Par contre, il y aura certainement des liens affiliés vers ces tissus-là. Et voilà la doublure. Donc j'ai pris ça, de la fausse fourrure, parce que j'avais vraiment envie d'avoir quelque chose de très très douillé à l'intérieur de mon manteau. Alors c'est une maille, c'est un petit peu extensible, j'espère que ça ira quand même. Je vais pas avoir trop de problèmes à la coudre. Je pensais que c'était un tissu, je pensais pas que c'était une maille. Mais là, quand on retourne, c'est vraiment... voilà, on voit bien, c'est tricoté. Voilà, donc j'espère que la combinaison de tous ces tissus fera quand même un manteau assez chaud, mais j'ai vraiment peur pour le tissu extérieur. Ce sera embêtant. On verra. Quand je reçois les catalogues de la Coupe d'Or, en fait, je les scanne directement, je scanne tout.
Comme ça, je sais que j'ai vraiment tout et je n'ai plus qu'à aller chercher sur mon ordinateur le modèle que je veux imprimer. Et j'ai pas à scanner, à aller sur le scan, etc. à chaque fois. Une fois que tout est scanné, après je nettoie un petit peu mon image hein, pour que ça soit plus net, que le blanc soit bien blanc, qu'on voit bien les contrastes des modèles. Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde, comment allez-vous? Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que le micro fonctionne correctement? Après le live, je me suis rendu compte que j'avais un petit souci avec mes images, les images que je voulais mettre dans mon livret de couture. Il y a des pointillés qui disparaissent sur le fichier Word quand je fais le transfert entre Illustrator et Word. Je ne comprends pas pourquoi, donc je ne suis pas énervée, j'ai laissé tomber en live, mais là, j'aimerais bien tester d'utiliser le logiciel InDesign, qui est aussi qui fait partie de la suite Adobe, que je paye, vu que j'ai l'abonnement complet. Donc j'avais envie d'essayer pour voir si là-dessus ça fonctionne bien, si j'arrive à avoir tout mes traits, y compris les pointillés. Exactement comme je le veux et comme ça s'affiche sur Illustrator. Voilà. Donc je vais essayer de voir comment ça marche parce que je ne sais pas trop comment ça marche en fait. Du coup, il faut que je me forme. Donc on va aller faire les petits tutos qui sont proposés pour apprendre à l'utiliser et puis croise les doigts pour que ça fonctionne. Et puis si ça fonctionne, il va falloir quand même que je travaille à fond dessus. C'est parti. Après avoir fait quelques essais, en fait, ça marche. Je vais pouvoir faire mon livret avec InDesign. Du coup, c'est trop chouette. Je vais pas avoir trop à galérer à récupérer mes images. Bon, il faut juste que je réapprenne un petit peu à faire mon livret. Il faut que je fasse différemment, il faut que j'apprenne un nouveau logiciel. Mais ça, j'ai très envie de le faire. Donc voilà. Merci d'avoir regardé ce studio vlog, ce vlogmas jusqu'au bout. Et je te donne rendez-vous demain. J'ai un petit dilemme là, ça m'a travaillé un petit peu cette nuit.